What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On voulait vous dire un grand merci, on n'a vraiment pas eu encore l'occasion de le faire. Un grand merci pour les 100 000 abonnés. Alors ça fait un petit moment qu'on l'a passé, ça fait plus de 6 mois. Mais on a reçu voilà, le cadre via YouTube. Ça fait depuis 2-3 mois qu'on l'a déjà. On n'a pas encore l'occasion de vous le montrer vraiment en vidéo, ni de vous dire merci. Donc tout d'abord, un grand merci à vous pour ça. Et voilà, c'est une fierté d'avoir réussi à avoir 100 000 abonnés et surtout d'avoir ce cadre. Voilà, on sera tout le temps fiers quoi qu'il arrive. Ça restera un souvenir pour nous. Et c'est parti du coup. Ce qu'on voulait vous faire les gars, on voulait vous faire à l'occasion des 100 000 abonnés un concours. Il s'est passé des choses, beaucoup de choses au cours de l'année pour nous. C'était assez compliqué. Du coup, on n'a vraiment pas eu le temps de vous faire de concours. Du coup les gars, on s'est dit avec Lady, à l'occasion des 100 000 abonnés et à l'occasion de Noël, on va vous faire gagner des lots. Alors, il y a des objets qui nous ont été envoyés, notamment par Activision ou par d'autres boîtes. Il y a des objets dont on ne sert plus, vous allez voir. Et c'est parti, donc je vous présente tout d'abord les deux premiers lots. Alors c'est les mêmes lots, mais il y en a deux. Il y en a un pour PS4, un pour Xbox One. C'est l'édition collector de Taken King. Donc il faut savoir par contre que cette édition collector est en anglais. Elles sont encore sous scellés plastiques. Voilà, donc elles n'ont pas été ouvertes les deux. Faut savoir que dans cette édition, donc, vous avez le jeu Destiny, plus les deux premiers DLC et Taken King. Donc il n'y a pas Rise of Iron, il n'y a pas le dernier. Par contre, voilà, c'est vraiment une édition collector. Dedans, il y a des cartes postales, il y a des posters, il y a une pièce étrange. Je crois qu'il y a un steelbook également. Voilà, donc il y en a un pour PS4 et un pour Xbox One. C'est l'édition collector de Taken King. J'espère en tout cas que ça vous fait plaisir. Deuxième lot, et franchement, c'est pas des moindres, c'est un Elgato. Elgato HD60. Donc à quoi ça sert pour ceux qui connaissent pas? Ça sert tout simplement à enregistrer votre gameplay directement sur vos PC. Donc que ça soit PS3, PS4, 360 ou Xbox One ou même sur PC, vous pouvez capturer directement vos gameplay. Faut savoir que ça les gars, ça coûte quasiment 180€. Voilà, donc voilà, franchement on se fout pas de votre gueule. Comment ça marche en gros? Vous avez un câble HDMI qui va de la console vers le Elgato et ensuite un câble HDMI qui sort du Elgato vers votre écran de PC ou votre télé, et un deuxième câble USB qui va lui vers votre PC. Voilà. Ensuite il y a un logiciel qui est gratuit. Tous les liens sont sur la boîte. Voilà, on vous dit où le télécharger, comment ça marche. C'est très simple d'utilisation. Au niveau des boîtiers d'acquisition, pour moi il n'y a pas mieux. En plus il est tout petit, vous voyez, il prend pas de place. Il n'y a pas mieux, franchement. Elgato pour moi c'est le top du top. Voilà, il y en a qui préfèrent d'autres marques, mais moi pour moi c'est vraiment Elgato et j'en suis vraiment très content. On utilise ça depuis plus de 2 ans maintenant. Et voilà, on n'a jamais eu de problème avec. Troisième lot, enfin quatrième lot si on compte les deux versions collector de Destiny, c'est un micro Blue Yeti. Et ce micro, il est utilisé par beaucoup de youtubeurs. Là, il est en version black. Il est tout neuf, il n'a jamais été utilisé. Je l'ai sorti de la boîte pour l'occasion. Vous voyez, je peux même vous montrer. Les câbles, ils sont encore sous plastique. Vous avez la notice ici, voilà, il est vraiment neuf. Il est sur micro, il se branche directement en USB sur le PC, voilà. Vous pouvez le mettre sur perche si vous voulez, vous achetez une perche à côté, vous faites ce que vous voulez. Alors ça vaut à peu près 150€. Bien sûr, il y a beaucoup mieux en micro, il y a des micros qui coûtent 1000 ou 2000€. Mais voilà, celui-là, franchement, pour débuter sur YouTube, il est vraiment bien. Même si vous cherchez un micro pour faire du chant, etc., c'est vraiment bien. Il y a plein de réglages. Voilà, ça, je vous laisserai voir par vous-même. Lady utilise celui-ci depuis maintenant 2 ans et demi, peut-être. Elle n'a jamais eu de problème avec. Moi, j'ai un autre, j'ai la marque Bloom, un autre micro. Et franchement, on est très content de cette marque-là. C'est vraiment le top du top. Si jamais vous souhaitez ce micro, voilà, c'est l'occasion de le gagner. Même chose avec le Elgato. Voilà, si vous, jamais vous voulez vous lancer un petit peu sur YouTube, avoir du matériel de qualité, voilà, au moins, vous savez que vous pouvez participer à ce concours pour le gagner. Dernier lot qu'on a à vous faire gagner, il vient directement de Los Angeles. Il n'y a pas très longtemps, on a été donc au PlayStation Experience. D'ailleurs, un grand merci encore une fois à Activision qui nous a envoyé là-bas. Et en fait, quand vous allez au PlayStation Experience, on vous fait donc vous récupérez un badge en fait à l'entrée. Et quand vous récupérez votre badge, on vous donne directement un sac avec des goodies. On était deux, du coup on a eu le sac en 2 fois. On s'est dit c'est con, on va leur faire gagner un des 2 sacs. Le premier goodies, c'est tout simplement des lunettes comme ça PlayStation, alors assez futuriste, blanche. Alors elle protège les UV en plus, UV 400, protection, voilà. Donc voilà, je peux les mettre si vous voulez voir ce que ça donne. Moi ça ne va pas forcément, mais voilà, donc c'est assez futuriste, mais voilà, c'est PlayStation. Je peux vous dire par contre qu'il n'y a pas grand monde qui a ce genre de goodies en France, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de Français qui étaient présents là-bas pour la PlayStation Experience. On a un petit badge comme ça PlayStation. Il y a des autocollants comme ça, donc ça, voilà, vous avez des autocollants, les manettes, etc. Vous les collez où vous voulez, sur les PC, ce que vous voulez. On a un t-shirt, alors c'est en taille L, mais il faut savoir, parce qu'en fait j'avais demandé du L. Il faut savoir, par contre, c'est hyper grand. C'est quasiment du XL, voire un peu plus. C'est la taille américaine. Donc voilà, donc PlayStation Experience. Et là, il est écrit derrière, j'étais là, vous voyez, PlayStation Experience. On a ensuite quelque chose à accrocher au mur qui est assez stylé, vous allez voir. Hop.
C'est directement, voilà, comme ça en fait, des espèces de chutes avec le logo de PlayStation en haut et il écrit en bas PlayStation Experience et vous pouvez l'accrocher, vous voyez, des trous en haut et en bas, vous pouvez l'accrocher directement au mur. Franchement, c'est assez joli, j'aime beaucoup. On en a eu un deuxième qu'on a pu accrocher au mur, nous, de notre côté. Dernier lot, les gars, c'est une espèce de... Alors, je sais pas comment on appelle ça, forcément, une gourde ou quelque chose comme ça. PlayStation, et ça, franchement, c'est vraiment stylé, j'ai bien aimé. Vous voyez, en fait, il y a les logos de PlayStation ici. Vous voyez, c'est une espèce de gourde, vous utilisez ça pour boire l'été, voilà. Donc ça, ça vient directement de Los Angeles et j'espère vraiment que ces lots vous plaisent, voilà. Comment participer, les gars, pour le concours? Comment on va faire? Alors, ce qu'on va faire, c'est que ça va se passer sur Twitter. Pourquoi sur Twitter? Parce que c'est beaucoup plus simple pour nous sur Twitter. Parce qu'il y a des sites après, mais c'est beaucoup plus compliqué. Du coup, on fait via Twitter. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre le lien du tweet dans la description. Il faut suivre le compte Zombie Factory, le compte Lady Ball et retweeter directement le tweet et également nous dire si vous souhaitez l'édition collector sur PS4 ou sur Xbox One. J'espère vraiment que ces lots vous font plaisir, je suis vraiment très content de pouvoir vous faire gagner des objets comme ça, ça fait plaisir. J'espère que ça servira à certains pour pouvoir, pourquoi pas, se lancer sur YouTube à leur tour. Elle n'est pas là, mais Lady se joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes fêtes. Profitez bien de vos familles, c'est vraiment très important. N'hésitez pas également à nous dire ce que vous pensez de ces lots, pour voir un petit peu ce que vous pensez de ce concours. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, les potes. Prenez soin de vous. Tchuss!